pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut, Chagla! Bon, alors, maintenant que j'ai mon deuxième moi qui s'est extériorisé, on se retrouve pour un coup de chapeau, Mr. Freeze. Yeah, ça faisait plus de 3 mois qu'il n'y avait pas eu cette série, et oui, tout simplement parce que je fais les séries quand je veux, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, parce qu'il n'y a pas de respect à avoir, parce que c'est ma chaîne, et là j'étais motivé à le faire, donc je me suis mis... j'avais eu l'idée de vous faire ça pour les vacances. Malheureusement, j'avais oublié mon bonnet de Noël. On est plus très aux périodes des fêtes, vu qu'on est le 18 janvier. Donc du coup, on est toujours en hiver. Donc j'ai mis mon petit bonnet alpaca que je ne mets jamais, que je n'ai jamais mis d'ailleurs. Et ce petit bonnet alpaca, je l'ai eu quand c'était vachement à la mode. Donc je devais l'avoir eu en seconde ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah j'ai ma belle tête de gland, etc. Et c'est magnifique. Donc ce bonnet, voilà, rien de particulier, hein, seulement que c'était à la mode, mais comme je ne supporte pas les bonnets plus de 10 minutes et que ça me gratte partout après, je préfère, honnêtement, je préfère la capuche au bonnet. Donc après, ce sont des goûts personnels, la capuche ça fait un peu racaille, mais je mets pas non plus des sweats et des vestes de racaille, même si là je suis en sweat, je suis en pyjama honnêtement. Donc voilà, donc on va mettre les petits papiers comme on avait eu l'habitude de les faire pour que je puisse trier. Je les ai refaits, j'ai revu vos commentaires, etc. Donc ça fait déjà une demi-heure que je prépare un peu cette vidéo, on va dire. Parce que tout simplement, j'avais fait le tri, j'avais jeté. Et donc du coup, bah c'est parti, on va aller faire ça. Donc on prend le bonnet, et vous voyez que j'ai le casque, donc ce casque qui est bien, c'est qu'on peut même parler devant, vous voyez ici comme ça, et vous m'entendez très très bien. Donc c'est ça la bonne particularité de ce micro. On met les papiers, donc les papiers qui sont là, on les met dans le bonnet, voilà, nickel, et il va en rester un ou deux, voilà, donc le bonnet qui est ici, et on va tout simplement, eh bien, trier. On ferme les yeux, on regarde pas. Alors là j'en ai un, nickel, non c'est bon j'en ai qu'un, on va vider le bonnet, ça serait con qu'on ait un papier qui nous sorte sur la tête, allez, putain j'ai encore des papiers dedans, hop, hop, c'est bon, il n'y a plus de papier, et je crois que j'avais mis le bonnet à l'envers, parce qu'il y a l'étiquette là, je crois que je l'ai mis à l'envers, c'est pas très grave, on va se remettre notre gland sur la tête, on dirait que je suis chauve, c'est magnifique. Et donc, on va lire, je sais même pas si je suis dans la webcam, on va regarder si je suis dans la webcam, nickel, je suis dans la webcam. Et on va lire, alors c'est commenter un chouk en se passant le nez et un cheveu sur la langue de Mansotis. Donc Mansotis qui est un petit abonné, donc dédicace à Mansotis pour ce petit défi. D'ailleurs j'ai fait une sale faute à deux, donc je vais vous le montrer, je sais pas si vous voyez, voilà ici, j'ai fait une sale faute à nez, j'ai mis un R, alors que je sais très bien que ça prend un Z, donc ça risque d'être plutôt rigolo, se pincer le nez, je sais pas si je vais pouvoir le faire pendant toute la vidéo, bon on va bien voir, donc petite ellipse, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est le chouk, le donjon, etc, et du coup on se retrouve une fois que tout ça est prêt. Ah si, c'est une mousse tasse, ah si légal. Ah oui, oui, je m'appelle Mario et Luigi. Alors, aujourd'hui, pourquoi je fais le chinois à moi? Je suis un Italien. Ah oui, on fait de la pizza. Donc, on se retrouve pour le chouk. Donc, c'est très très chiant d'aller sur le chouk. J'ai pris de la coco, mais je me suis fait niquer parce qu'il fallait choper toutes les tortues. J'ai fait ça 10 minutes, ça m'a cassé les couilles. Donc, le chouk, on va le combattre, eh bien, tout simplement... dans l'arène, vu que j'ai pu acheter une pierre du chouk qui est ici, voilà. Donc on va se la mettre dans les inventaires rapides et on va se le battre, donc en se pinçant le nez et en se mettant un cheveu sur la langue. Donc je vais préparer le cheveu, je vais me le foutre sur la langue et je vais me pincer le nez. Et d'abord je vais enlever cette moustache car elle me gratte le nez, c'est horrible. Alors, on se retrouve, je sais pas, moi, ouais. Donc... pour faire les cheveux sur la langue, j'ai pris un bout de papier qui est ici parce que tout simplement, ben, le feu c'était pas trop efficace. Donc, du coup, on va utiliser un bout de papier qu'on va remettre en place, c'est très très chiant. Qui est tout simplement plus efficace.
Donc du coup, on va lancer le souk qui a un boss que je connais pas du tout. Il commence à manquer d'air, c'est très très chiant. Là, on va remettre le bruit de papier bien. Voilà. Ah putain, le papier est plus sur la langue. Voilà. Donc, je sais pas si ça fait très bien que je te zozote. Voilà, oui, si ça le fait, hein. Et apparemment, il aurait fallu que je commande le zouk. Le chouk. Le zouk. Ah, ça fait pas très bien, hein. J'arrive à le dire, souk. Et c'est très très chiant, hein. Je sais pas comment ils font les gens qui ont les cheveux sur la langue. Et si ça va pas le faire parce que je joue pas mon tour. On va faire freestyle, donc bah j'ai quand même le débouché là, les grosses, hein. Donc soyez un peu indulgente. Le souk, il a 5000 points de vie. Alors ça devrait le faire. On va voir, bah, là c'est très très difficile de se concentrer. Ah, oh là là. Et en plus le bonnet me gratte. En plus les squelettes là ils sont très chiants. J'ai le jus qui sort du nez. Magnifique. Alors, je suis très très swag comme ça avec mon bonnet. Un petit tour rien histoire de nettoyer tout ça un peu, c'est de la vermine. Et le bout de papier qui se casse. Donc ça aussi c'est très très chiant. Alors, les boombas on va les tuer. Bon alors vraiment il n'y a pas de grosse difficulté, hein. Voilà. Et je vous rappelle que pendant que vous regardez cette vidéo, que vous pouvez toujours poser vos défis dans les commentaires. Ils seront pris en note. Donc j'ai envie de reprendre cette série. Donc oh Abdullah. J'ai envie de reprendre cette série. Donc voilà, je pense qu'elle sera plus fréquente. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser vos défis. Ça sera toujours assez intéressant et plutôt cool. Comme ça fera plus de défis. Et sera dans des situations encore plus énormes pour moi. Vous imaginez si un jour il y a un de mes patrons ou quelque chose comme ça qui me voit dans cette situation-là, j'ai pas l'air du tout con. Alors, j'ai faiblesse. Elles sont feu et terre. Donc on va lui faire un destin et on va le jouer bien tout simplement au top 4. Normalement, hein, c'est pas un boss très difficile. Et l'île de Boud. C'est un boss spécial, il faut pas avoir de dojo pour le faire. Ah là là! Qu'est-ce que j'ai pas l'air con. En plus, il se recoue. L'enculé. Voilà, j'ai le jeu qui sort du nez encore, putain. Je remets mon bout de papier en place. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je remets en place, je vais dégueuler. C'est fameux. Heureusement que j'ai pas encore goûté. Ou sinon, je pense que vous aurez le droit de m'appeler Freeze le Vomito. Bon, déjà, vous avez... Déjà, c'est bien ridicule. Je pense que vous allez bien vous marrer dans les commentaires. Ah, putain. Je commence un peu en pouvoir, là. Vite, il faut finir dans ton drone. Alors. J'ai putain de voix de tapette aussi. Hop, un petit destin, et on le joue avec deux top 4. Et voilà, on a rempli le défi. Ah ouais, en plus il vient de rater de le savoir. Et je crois même qu'on a sapé, on a droppé un sapin pirate. Faut que je reprenne mon souffle. Donc je sais pas c'est quoi ça. Pas de temps, 3 minutes 24, c'est assez rapide. Donc moi en tout cas j'espère que ce défi vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez bye tout le monde, c'était Freeze. Si t'aimes la série Coup de chapeau Mister Freeze et que t'es content que la série revienne et que tu t'es trop marré dans la vidéo, n'hésite pas à lécher un like.